Salut tout le monde, ici Fluxfeed. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sans abonnés. Donc c'est une petite vidéo vite faite. Je sais pas si je vais en faire plusieurs sans abonnés. Je sais que je vais faire celle-là, après je vais regarder ça. Donc c'est une vidéo que plusieurs m'avaient demandé, c'est de filmer mon endroit aussi que je gagne dans le fond. C'est quoi ma TV, c'est quoi ma console, avec quoi je record. Je vais vous montrer mes jeux, je vais vous montrer mon ordinateur. Donc c'est pas un énorme ordinateur, mais moi je suis capable de faire des vidéos avec ça. Donc, je vais tout vous montrer ça, ça fait que... Allez, on se va! Hey, salut tout le monde, on est de retour. Donc, je vais commencer pour vous montrer tout ce que j'ai. Donc, je game avec une TV 51 pouces. Donc, c'est une Samsung 51 pouces. Donc, je l'aime bien gros, elle va très bien. C'est sûr que les grands youtubeurs, ils conseillent tout le temps plus une petite TV. Moi je joue pas vraiment avec une grosse, ça me dérange pas, je vous dirais, je trouve que ça va très bien. Donc je vais continuer. Ma Xbox c'est une Modern Warfare 3 édition, donc c'est une 320 Go. Ben à part le style, le 320 Go il me sert pas à grand chose, mais la Xbox je la trouve très belle. J'ai aussi une belle petite manette avec ça, Modern Warfare 3. Donc je les trouve bien stylés, surtout je les trouve bien bien cool. Ça c'est mon ordinateur, c'est un Inspiron 1525, je vous dirais que c'est un dinosaure, je peux vraiment rien faire avec ça, je vous dirais. Parce que ça est trop vieux, je peux pas faire de montage, tout ce que je mets, mettons de l'effet dans ma vidéo, elle va ramer au fond. Donc je vous conseille pas cet ordinateur là, mais regardez là, je mets tous mes jeux, là j'en ai pas mal, je vous dirais, regardez, j'ai tous les codes. J'ai du Battlefield, Halo, Bad Company 2, Dirt 3, MX dans sa TV Live. J'en ai un autre en haut aussi. Regardez ça, c'est une autre manette que j'ai. J'ai aussi un fil rechargeable que Bozen m'avait donné. Donc, je lui dis encore merci. Hein. Donc, j'ai ces jeux-là. Left 4 Dead 2, Grand Theft Auto 4, Gear of War 2. J'ai Rayman, Origin. On savait que ça pas cher à maintenant. J'ai Assassin's Creed 2, Halo Reach et j'ai FIFA Soccer. Donc, si vous avez vu un jeu qui vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, vous avez qu'à le dire. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je prends vos conseils parce que je suis un peu en manque d'idées de vidéos de ce temps-ci, hein, je vous dirais. C'est vraiment. Je vais vous montrer à cette heure. C'est ça, je suis en manque de vidéos. Puis. Attendez, là ça c'est mon casque d'écoute, c'est un Turtle Beach X12, la qualité du micro est quand même très bonne, pour les écouteurs aussi, donc je l'ai payé je crois 60$ au Canada. Regardez, j'ai une petite affaire pour ajuster le son, la bass, ça a l'air à pas vouloir vous le montrer. Faut que j'en sois pour la bass, le game puis le chat. Donc le seul défaut je vous dirais là-dessus c'est ces fils qui s'en mêlent, hein. Ils sont tout emmêlés mes fils, je vous dirais, mais c'est pas grave. C'est sûr que ça me coûte pas cher de batterie à comparer des Turtle Beach de meilleure qualité, on pourrait dire, mais ils prennent toutes beaucoup de batteries que du monde de mon clan m'ont dit, pis tout, ça fait que c'est sûr qu'on sauve la batterie pour ça. Donc là, vous devez sûrement attendre savoir avec qu'est-ce que j'enregistre. Donc on va aller à salut, petit Bouddha. Une petite décoration que ma mère avait mis. Il est assez net aussi. Bon, avec qu'est-ce que j'enregistre, le voici, le HDPVR. C'est le HDPVR 2. Attendez, je vais le sortir. Là, il est tout branché avec ses fils. Bon, on va le laisser là, mais c'est le HDPVR 2 avec toutes ses composantes en arrière et puis tout. Regardez, je suis pas mal stocké, je vous dirais. Là, stocké pas mal. C'est le HDPVR 2. C'est sûr que pour une personne qui... Je vous conseille pas vraiment l'HDPVR 2. Pour une personne qui a pas Windows 7, parce que je vous redis que c'est une Vista, ben je l'ai pas dit, mais ça c'est une Vista. J'ai un Vista là-dessus. Puis avec l'Elgato, il n'y a pas de Vista, parce qu'il y a un CD à rentrer dans votre ordinateur pour configurer l'HDPVR, puis l'Elgato dans le fond. Puis si vous n'avez pas Windows 7 sur votre ordinateur, vous pouvez pas vous acheter dans le fond l'Elgato, parce que... Le programme n'est pas compatible pour enregistrer. Donc moi avec l'HDPVR, il y avait le Vista, il y a toutes les Windows dans le fond avec l'HDPVR.
Donc si vous avez un ordinateur un peu comme la mienne, je vous conseille l'HD PVR2 ou le 1. Parce que je sais qu'Addy, lui, il a le 1. Donc c'est à peu près ça pour ma vidéo. Donc mon équipement, un Inspiro 1525, une ordi de dinosaure, les Turtle Beach X12, très bonne qualité. J'ai aussi mon cellulaire, c'est un LG Optimus 5, un peu merdique, mais c'est pas grave, je vous le présente pareil. L'Xbox 60 édition Modern Warfare 3 illimité. J'ai tous les jeux que je vous ai montrés. Ma TV 51 pouces. C'est sûr que la grosseur est un peu grosse, donc je vous conseille peut-être pas une aussi grosse grandeur. Parce que je voudrais que quand les gens, mettons, Bozette vient jouer chez nous, il est pas capable de jouer parce que l'image est vraiment trop grosse. Et j'ai aussi le HD PVR2, donc moi je suis un peu un youtubeur de base, hein, je vous dirais. Je suis pas le gars qui va avoir dans un bureau d'ordinateur à côté de lui avec l'ordinateur tout le temps ouverte. Regardez mon ordi fermé. Donc on se retrouve bientôt pour la conclusion. Bon, je suis de retour tout le monde, donc on va finaliser la vidéo. C'est une petite vidéo courte parce que j'ai pas grand chose à vous présenter, je vous dirais. Fait que si vous avez d'autres idées de vidéos sans abonnés, parce que je trouve qu'il y a un peu cette gueule faire une petite vidéo de un peu de 10 minutes, je crois, pour ça un peu d'heure pour mes 100 abonnés. Allez voir un peu dans qu'est-ce que je vis, ben, où c'est que je game plutôt, avec quoi pis tout, fait que c'est ça. Si vous avez d'autres vidéos, d'autres idées de vidéos, dites-moi le, c'est ça, c'est que n'oubliez pas de partager ma chaîne, liker la vidéo, parlez-en à vos amis, ça fait que à la prochaine!